Salut à tous, c'est Adrien D. Aujourd'hui, mercredi 7 décembre 2016, je fais une petite vidéo très courte sur KDE. Parce qu'en fait, je vois bon nombre de vidéos avec un petit truc qui est relativement saoulant et qui me saoule aussi sur KDE Plasma, vous voyez. Je vous montre le problème, j'ouvre une console et, bon, là, accessoirement, elle se met sur mon deuxième écran. Je ferme, je rouvre la console, elle se met sur le deuxième écran, donc je la referme. J'ouvre CarWright, se met sur le deuxième écran, bon c'est pénible. J'ouvre une console, là, ah bah là elle se met sur le premier écran, d'accord, mais elle se met un peu en vrac. Bon, alors ça c'est pénible, et souvent on replace les fenêtres au centre de l'écran. Eh bien je vais vous montrer l'option KDE magique, donc c'est directement, voilà, dans configuration du système, vous allez dans gestion des fenêtres. Et ici, vous allez, donc vous restez dans comportement des fenêtres, vous allez dans l'onglet avancé. Et là, il y a un truc, placement. Vous avez toutes les possibilités de placement de fenêtres. Donc vous avez intelligente. Donc là, il juge intelligent de la placer ici. Si je rouvre une console, il juge intelligent de la placer là. Là, ici. Et puis là, je pense qu'après, il va la placer en haut à droite. Voilà. Donc ça, c'est le placement intelligent. Bon. On a le placement maximisation, c'est-à-dire si vous êtes fan de quand vous ouvrez un programme qui soit tout le temps ouvert en grand, et ben voilà, truc par défaut. Vous avez la possibilité de faire en cascade, donc là je vous imagine, enfin je vous montre le truc, hein. Alors par contre il faut réduire au moins une fois, hop, 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 voilà, il place les fenêtres en cascade. Vous avez la possibilité d'avoir le mode aléatoire, donc là c'est ben, comme son nom l'indique, aléatoire, voilà, il place un peu, je sais pas trop où. Bon, visiblement, elle le fait encore en cascade. Vous avez le mode coin supérieur gauche. Voilà, c'est ouvert en haut à gauche. Donc tout ce qu'on ouvre, c'est en haut à gauche. Et on a sous la souris. Donc là, il va faire le truc sous la souris. Donc là, vu que ma souris là en bas, il va toujours mettre là. Si je mets ma souris par exemple ici, que je fais console, voilà, il ouvre sous la souris. Et vous avez le placement intelligent, centré, pardon, et c'est celui que je vais prendre parce que franchement j'en ai marre. Voilà, et il ouvre toujours les fenêtres au centre, peu importe ce que vous ouvrez, hop, hop, tout s'ouvre au centre, ou presque. Voilà, donc ça, c'est quand même un petit réglage assez sympathique que je voulais vous faire partager dans cette courte vidéo KDE. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Peut-être que je ferai peut-être une petite série de vidéos sur des astuces de KDE si ça vous intéresse. Voilà, allez, ciao.